Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, on va mettre le jeu en pause et on va faire un peu de déco. La dernière fois, on a fait venir les girafes là. D'ailleurs, j'avais un petit peu décoré, je sais plus si je vous l'avais montré. Donc là, j'ai ajouté un enclos à girafes que j'ai récupéré sur le workshop. Il va falloir que je relie là le chemin parce qu'il y a une petite zone en haut là, hop, où les visiteurs peuvent venir regarder les girafes dans leur habitat, dans leur enclos. Voilà. Faudra sûrement que je mette des pierres ici pour séparer cette zone, enfin l'enclos des girafes du moins avec la zone ici. Et justement aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. On pourra rajouter un peu des plantes ici. On va essayer de designer un peu cette zone là des employés qui est un peu, enfin qui est même très très moche, hein, on va dire ce qu'il est. Elle est très très moche, donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va regarder, j'avais téléchargé pas mal de plans, donc qui étaient des trucs pour les employés, je crois. Staff building, voilà, par exemple il y avait celle-ci. Il y en avait d'autres. Un café, tac. Non. African Facility Village. Je sais plus si c'était pas celui-là. Alors, il y en a qui sont toujours bloqués, ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il me manque des choses. Alors, j'avais vu que je pouvais aussi. Attendez, c'était comment? Comme ça. Voilà, donc là, c'est mon African Staff Village qui est assez grand, en fait. Je le voyais pas si grand que ça. Donc du coup il tiendra pas ici. Hein, on est d'accord. Donc on va pas prendre ça. Tac tac tac. Donc on en avait d'autres. On avait celui-ci. Voilà, celui-ci qui était une. Enfin, qui était un truc avec différentes pièces. Je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Et il n'y a que deux pièces en fait. Ouais, d'accord, il n'y a que deux pièces. Il y a ce gros truc. Alors, c'était quoi celui-là? C'est ça? Ouais, le truc avec la pomme là. Et puis le café. Un café comme ça. Et là, c'est quoi là? Au milieu là. À côté du truc avec la pomme, on n'y accède pas où d'ailleurs? Oula. Oula, oula, oula. Il y a d'autres pièces au milieu là, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un plus grand peut-être? Peut-être que c'est un plus grand. Un truc comme ça, mais plus grand. Non, ça c'est quoi ça? Cabane des soigneurs. Vous croyez qu'on peut en mettre plusieurs, genre. Des. Non, je sais pas. On verra, on prendra peut-être celui-là du coup. Food shop, donc c'est pas ça. J'en avais pris plusieurs, hein, je crois. Ah, électricité et eau. Voilà, donc ça pourrait être. Voilà, remplacer mon transformateur et mon truc d'eau là. On verra. Pourquoi pas, j'ai pris des petits panneaux comme ça aussi, il faudra que je vous verra plus tard ça. Alors ça c'était le truc des girafes, un lodge, ça c'était des. Ah oui, des trucs pour les ATM, là, les. Ah mince, comment ça s'appelle? Staff building, aquatique, ouais mais je suis pas en aquatique là. Les ATM c'est les distributeurs de billets. Cabane perchée dans les arbres. Tropical. Ah oui, c'est tropical effectivement, donc c'est pas pour moi. Mais c'est très classe. Alors, attendez. Faut que je fasse une pause, je reviens. Ok, me revoilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, la première chose à faire, je pense, c'est qu'on va prendre tous ces trucs là. Hop. Et on va les déplacer. Pouf, on va les mettre loin, on va les mettre ici. J'en ai plus besoin. Là,
On va enlever tout ça là. On va, de toute façon, on va tout refaire ici. Ok. Là, on va peut-être laisser ça comme ça. Parce que c'est bien placé. Si j'enlève ça, ça va tout m'enlever là. Ouais. Ouais. Oh, pas forcément. On est peut-être bien là. On va voir. On va voir. On va voir si on arrive. Alors, j'en ai vu un qui était pas mal. Donc, je suis allé dans service là. La Ranger Station. Ah non, celle-là, c'est plus un thème Australie. Wow, il y en a qui ont fait une espèce de bulldozer. Trop stylé. Ouais, ça fait un peu plus Australie. Oui, une alerte, je sais. C'était celui-là. Ah non, c'est celui-là, voilà. Celui-là, il est pas mal. Regardez-moi ça. Donc là, on a un peu tout. On a un peu tout là, dans les bâtiments. Et on a des décos sympathiques, sachant que j'ai le truc de l'eau et l'électricité en plein milieu. Donc c'est pas mal, on va pouvoir le mettre genre par là. Si j'arrive à me positionner. C'est pas mal de faire quelque chose comme ça. Alors déjà, faut que je le mette au niveau du sol. Le sol est pas plat? Non, sérieux? Ah si, le sol était censé être plat ici. Non, ça marche pas ça. Ok, donc on va se mettre à plat comme ça. Le sol est dégueu, alors ça veut dire. C'est parfait ça. Donc, il faut des bâtiments, il faut des routes des deux côtés, j'ai l'impression, de ce truc-là. Mais c'est pas mal comme ça. Il faudra que j'en recrée du coup, par contre, hein, parce que j'ai pas assez de. On va peut-être dupliquer un peu ce bâtiment et le modifier, hein, vous allez voir. Donc, vous allez voir du coup ce que c'est que la. Comment on fait des. Comment on récupère des bâtiments sur le workshop. Donc ça c'est un bâtiment que j'ai récupéré sur le workshop. On va poser, disons. Hop. On va même le poser plus par là, là, carrément. Pas trop, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il n'y a rien, on va le poser comme ça là. On va vraiment l'amener par ici là. Clac, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, comme ça c'est bien. Donc là on a tout, normalement, tous les services dont j'ai besoin. Ça c'est quoi ça? C'est une cabane de soigneur, j'en aurais besoin d'une deuxième ou d'une grande. Je crois que j'aurais besoin d'une grande plutôt. Donc maintenant on va s'amuser à modifier ce truc. Pour l'adapter à ce qu'on avait avant. Sachant qu'avant on avait ces bâtiments-là. Donc on avait deux centres de recherche. Je vais peut-être me limiter à un et un pour l'instant. Et on en créera une autre zone par là-bas plus tard. Où on les met, on les remplacera plus tard par autre chose. Je ne sais pas. Sachant que là j'ai plutôt besoin d'une autre salle de repos comme ça. J'en avais quatre salles de repos et c'était pas suffisant. Là on a une zone de quarantaine. Alors déjà. On va essayer de relier les routes. Ça, c'est quoi? Ah, c'est des lampes, ça. Ah, mais c'est pour ça que c'était censé être dans le sol, peut-être. C'était des lampes cachées. Possible. Fort probable, même. Donc, attendez, là, on avait une route. On a une route qui s'est positionnée automatiquement pour accéder à ces deux machins et à ce truc-là qui est le centre d'échange. Ok. Donc à la limite on n'est pas obligé de faire une route par là, on pourra faire des décos. Là on a besoin d'une route parce qu'on a un centre comme ça de un atelier. Je crois que j'en avais deux d'ateliers, non? Il me semble bien. Ouais, j'avais deux ateliers. J'avais quatre salles de repos. On va essayer de modifier ça un petit peu pour se mettre dans le style des autres. Je vais même carrément le modifier en fait parce que je vais essayer de faire un étage à ce truc-là. À ce bâtiment, à celui-ci, peut-être pas celui-là, mais à l'autre, on va essayer de faire un étage. Remarque, pourquoi pas celui-là? Parce qu'il y a déjà une salle ici. Ça va peut-être faire trop, on verra. Mais il est plus large. Il est plus large. Ce sera peut-être plus malin de faire un étage sur celui-là.
Ok. Alors, du coup, j'ai pas du tout noté le temps qu'il y a eu dans la première partie de la vidéo là où je me suis arrêté. Donc, on verra plus tard. On va faire une demi-heure sur celle-ci, puis on verra ce qu'on fait plus tard. Alors là, on arrive ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire une route de largeur 6. Qu'on va mettre. Non, faut pas que je m'aimante là. On va enlever. Je peux pas enlever les. Comment on fait déjà? Caméra, largeur, longueur. Je fais une liste sur la grille que je me mets là-dessus. Ce que je peux en faire déjà. Voilà, ça c'est les premiers trucs qui m'embêtent dans ce genre de choses. C'est que ça ne rejoint pas le machin là. Donc, c'est pénible. Donc, on va pas faire ça. Ou alors, peut-être que je peux faire comme ça, aligner sur la grille de lui. Je me mets là. Là, je me mets sectionner la grille, aligner sur la grille de lui. Et je me mets là. Ah, c'est pas tout à fait la même grille, on dirait. C'est marrant. Aligner sur la grille de lui. Et ça marche pas. Parce que c'est un gros. Désectionner la grille, aligner sur la grille de lui. Oui, je sais qu'il ne peut pas. Voilà. Et du coup maintenant, si je désectionne la grille et que je fais quelque chose que... Non, ça ne veut pas. Très bien, fantastique. Alors là... Non! Alors attendez. Support d'allée, un fil d'attente, écran bas, passerelle, alignement, utiliser l'intersection... Non. Je sais qu'il y a un bouton pour le faire, mais je ne me souviens plus. Support d'allée, ça fait quoi ça, support d'allée? Pente courbe, allée avec bordure. Bon, c'est quand même plus joli avec des bordures. Support d'allée, c'est quoi? Ah, c'est ces petits picots là. Support d'allée. Bon. Aligné sur l'angle, longueur. Je vais le faire plus long sinon. Encore. Bon, bah sinon on va faire un truc à l'arrache. Comme ça. Ah, ça c'était pas mal. Gigi. Attendez, ça, comme ça. Ça c'est pas mal ça. Ok, donc ça, faut que ce soit relié à celui-là. Voilà. Ensuite là, on vient comme ça. C'est pas mal du tout ça. Là, on fait quelque chose du genre comme ça, qui va aller par ici. Là, on va relier celui-ci. On doit bien pouvoir le relier quand même, non? Alors attendez là. Là, ça va être chaud. Ah, ça passe. Alors, attendez là. Petit. Voilà, comme ça. Donc là, on est relié. Là, on est relié, on est bon. Là, on se relie aussi. Parfait. Parfait, parfait. Hop là. Ensuite ici, on repart sur du 6 mètres pour aller par là. Peut-être pas en si long. Paf. Oh si, remarque, 2 mètres, c'était bien. Là, on repart à angle droit. Hop. Hop, hop. Ah non, il n'y a rien qui va là-bas. J'ai oublié. Alors attendez, là, clac, ça, on va le mettre. Pouf, voilà, nickel. Parfait.
Et celui-là, on le dupliquera peut-être par là, le grand, peut-être, on verra. Hop, donc là, boum, et puis, on va réduire un peu la taille, parce que ça doit pas passer. Il faut du 4. Ok, donc là, il me faut du 4 mètres. Échec de la modification du terrain, comment ça? Oh! Si j'enlève celui-ci. Voilà, 5 mètres là. Parfait. Voilà, nickel. Ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Bon, ça, j'aurais peut-être un peu plus caché encore, moi, vous voyez. On verra ça, on va le cacher plus, je pense. Parce que ça me plaît pas bien, moi. Ça me plaît pas bien. Les autres bâtiments ça va, mais alors celui-là ça me plaît pas bien. Donc là on a récupéré pas mal de petits bâtiments. Après on fera peut-être des. On fera peut-être des. Comment ça s'appelle? J'ai oublié ce que je voulais dire en plus. Alors je sais plus ce que je voulais dire. Alors là on va déplacer cet arbre qui va me gêner plus tard. On va le mettre par ici. Hop, voilà. On va prendre ce buisson qu'il y avait avec d'ailleurs. On va le déplacer aussi. Hop. Comment utiliser un arbre pour faire un buisson? Clac, voilà. Très bien. Alors là, vous voyez, sur ce truc-là, j'avais pas vu, mais il y a des panneaux derrière qui ne me servent à rien finalement. Ouh là là, il y a des hautes herbes sur mon terrain. Faudrait tondre le gazon là, s'il vous plaît. Voilà, merci. Hein, parce que bon, c'est pas terrible quand même. On est d'accord. On est d'accord. Ok, là ça y est, enlevé tout seul. Je sais pas pourquoi ça, là-bas ça l'avait pas enlevé. Bref, alors, on avait dit qu'on voulait modifier ça. Je pense qu'on va essayer de faire un peu comme ça. On va faire une vidéo orientée déco et une vidéo orientée gestion. Modification de groupe. Allez, hop, donc ça, on va faire X. On va le descendre un petit peu. Clac, voilà. Juste que ça se voit pas, là, il y en a un autre qui traverse le sol aussi. Je pense que ça n'empêchera pas de décorer, de faire de la lumière de toute façon. Ok, donc là, paf paf paf, on est bon. Sur celui-ci, je vais essayer de prendre le mur qui est là, là. Hop, on va modifier ce groupe, on va prendre le mur qui est là, on va faire CTRL D. Hop, c'est pas X, c'est W. Ok, on modifiera après. Non, il y a deux positions. Ah, ouais, c'est ça et ça. Ok. Ok, donc ça veut dire qu'on va tout remonter. Paf. Voilà. Donc là, on est pas mal. On enlève ça. Ça me plaît mieux comme ça, moi, déjà. Alors, non. C'est. Ah, par contre, pour les choper ces trucs-là, je vais avoir du mal. Hop, hop. Voilà, je pense que j'ai tout. On va faire X, on va y déplacer par ici. Et par là, un petit poil. Voilà, comme ça, c'est bien. Ça, on va faire pareil. Hop. Pourquoi le point est par là? C'est très bizarre ça. Ok, ensuite on va essayer de prendre ce toit là. J'espère que c'est pas trop, ça va pas être trop compliqué un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, l'arbre, on va essayer de le laisser là quand même. Tac. Donc moi il me faut. Ouah, il y a plein de petits morceaux. On rajoutera des trucs derrière s'il faut.
Ça, on va le virer pour le moment. Hop, donc on prend ça, 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 ça. Tac, 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 tac. Tac, non, pas ça. Allô, je veux lâcher ça, moi, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on prend aussi ça. Hop, hop, hop. Pouf. Ça, c'est marrant, ça doit être des pots. Je pense. Qu'ils ont utilisé. Ok, et on fait un petit W. Non, X. Et on le remonte un peu. On va même le décaler un peu par là. Un petit peu même comme ça. Voilà, que ça dépasse. Ah, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Non. Faut que je resélectionne tout. Je peux pas les grouper. Je peux pas faire des sous-groupes. Non. J'ai oublié celui-là. Ouais. Bon, on sélectionne tout. Fantastique. Hop. Ah non, pourquoi ça m'a déplacé ça? Je vais pas arriver à l'attraper. Je vais pas arriver à l'attraper. Si? Non, j'ai chopé le mur. Ah, c'est bon, je l'ai attrapé. Non! Non, non, non. Ah, j'ai fait dupliquer. Ah! Quelle horreur! Quelle horreur! Alors, cet arbre déjà, on va le remettre là-bas. Voilà. Faut qu'on arrive à faire ça bien quand même. Touk touk touk. Hop 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 hop. Non mais qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est quoi cette horreur? Ok, faut pas que j'appuie avec contrôle. Ça fait dupliquer quand je fais avec Maj en même temps. Quand je fais contrôle et déplacer, j'ai l'impression que ça fait une duplication. Alors que c'est pas ce que je veux du tout. Non. Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a sectionné là? Non. Ah putain, mais quelle horreur. Quelle horreur cette petite sélection. C'est pas ouf du tout. C'est pas évident quand on veut modifier quelque chose de précis. Ou alors c'est juste que j'ai pas l'habitude, hein, aussi, je pense. Hop, 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 et hop, c'est bon là, je dois avoir tout là. On va vérifier quand même, clac, 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 ouais, ok, X. Allez, donc on le remonte, on le tire par là, on le remonte, et on le tire un peu par là, je toc. Voilà, on va le déplacer un peu par ici. Paf, ouais, là c'est bon. Comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là on va faire. Ok. Et il faudrait qu'on trouve quelque chose pour mettre ici. Là. Peut-être un espèce de rondin comme ça. Si je prends ça. Ah, c'est les mêmes que ça. Ok, moi je vais en prendre un comme ça. W, non, X. Hop. On va le tourner comme ça. Pareil, il y a une touche pour verrouiller les rotations. C'est ça, aligné sur l'angle, mais je ne sais plus le raccourci. J'ai pas envie de m'embêter à le chercher, donc on va l'utiliser comme ça, tant pis. On va le faire à la bourrin. Hop. Clac. Voilà. Et on en met un deuxième par là. Pouf. Ok.
Voilà, donc là on a modifié notre toit et on a caché nos trucs là. Bon, c'est un peu hard ici, on s'en fout, à la limite c'est un truc de d'employé là, les visiteurs n'y verront pas ça. C'est juste là qu'ils vont y voir, donc là on rajoutera un peu de déco là, des petites pierres peut-être. Et on va essayer de faire cet étage ici. Donc pour faire ça, ça va être un peu chaud, je pense. Ça va être un peu chaud. On va essayer de s'en débrouiller. Alors, là, on va prendre tout ça. Faut que je me mette comme ça. Wow, ça va être chaud. Attendez, si je fais Alt. Contrôle, contrôle, ça inverse. C'est pas terrible, contrôle. Ce qui va m'embêter, c'est ces arbres là. D'ailleurs, faut que je remette celui-ci là. Hop, clic. Voilà. Ok, donc là. Pas réduire ce truc là, si normalement je peux réduire ça. Ouais. Ok, alors je vais me mettre comme ça. Je vais sélectionner tout ça. Hop, 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 hop. Ah, je me suis barré de tout. Ça ne va pas. Ah non, c'est des barrières ça. Ah donc ça va. Ça va aller. J'ai cru que c'était plein de petits éléments. Si c'est pas plein de petits éléments, ça va m'aller. Ça va être bien. Je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. Et là je fais contrôle et j'enlève les arbres. Ok, je sais pas pourquoi le truc apparaît tout le temps en bleu là-bas. Ok. Et j'enlève les éléphants aussi. Hop, et ça je fais X, je vais le décaler par là pour le moment, comme ça je pourrais le resélectionner facilement. Ok, et là ce que je voudrais faire, comment on va faire ça? On va prendre une salle du personnel, je pense. Parce que là on est d'accord, le reste j'ai tout en un exemplaire, ils sont mes trucs, ils sont là-bas. Là. Ah non, il y a ça et ça que j'avais en deux exemplaires. Ah, c'est les trucs de recherche. C'est les trucs pour les recherches. Donc les ateliers et trucs de recherche scientifique. Qui sont là. Et là derrière. Avant de faire un étage, j'aurais peut-être pu dupliquer ce machin déjà. Non. Mais ça veut dire qu'il me faut un paquet de salles du personnel en fait. Enfin de salles de repos là. Parce que pourtant j'ai pas énormément d'employés pour le moment. On verra plus tard. J'ai un autre truc stylisé qui me plaisait bien aussi, c'est celui-là je crois. Non, c'est pas celui-là, c'en a un autre. Bon, on verra une autre fois. Donc, là, on va enlever tous ces petits éléphants. On va reprendre ça. Alors déjà, on va prendre ça. On va faire un CTRL-D. Ça, normalement, je peux le mettre... Voilà, je peux le monter ici. Donc ça, moi, je vais le... Oh, je peux pas faire des... Taille de la grille. Voilà. Très bien. Donc là, je peux faire un truc genre comme ça. Tac. Ça va pas être ouf, mais... Voilà. Donc là, je peux faire un truc comme ça. Et là, du coup...
J'ai pas besoin que de la moitié de ça. On verra. Alors déjà, le toit. Ça, contrôle D. Pareil. Hop, ici. Comme ça. Comme ça. Voilà. X, W. Je sais pas dans quel sens ils étaient mis. Aucune idée. J'en ai pas la moindre idée. Peu importe, on va prendre ça. Contrôle D. Hop. Pareil, ça, je sais pas dans quel sens c'était mis. On va le mettre comme ça. Alors là, on en a avec la fenêtre qu'on va mettre ici. X. Hop. Voilà, et les murs. Ctrl D. Check. Hop. Alors là, on met comme ça. Et comme ça. Voilà. Parfait. Donc là, ce truc-ci, on va récupérer juste la moitié. Tac. Voilà. Parfait. Parfaitement parfait. J'aime beaucoup les musiques dans ce jeu, c'est très reposant. Pas trop non plus, hein, comme ça, voilà, c'est pas mal ça. Ok, donc ça on peut le supprimer du coup. Paf. Là, on va pouvoir supprimer genre ça, ça, tac. Et là, il va falloir faire un escalier. Donc, il va surtout falloir faire un chemin, une allée qui va partir d'ici. Ah, on va être obligé de faire un truc. Avec des rambardes. Comment on fait? Oh! Non, mon Dieu, que c'est moche. Je peux pas enlever les rambardes là? Passerelle avec rambarde. Voilà. Nope. Ah non, lâche-moi. Allez. Ici. Là. Non, je veux pas de pilier. Je ne veux point de pilier. Alors là, on peut aussi enlever tout ce qui est support d'allée, bordure. Il y a encore des trucs, hein. C'est quoi ces machins? Pente courbe, file d'attente avec rambarde. Il n'y a plus rien là, c'est le. Le mini du mini. C'est pas grave. Par contre, je suis obligé de mettre ce pilier. Ah non, voilà. Alors là, par contre, il faut que je descende. Comment on fait pour descendre déjà? Pourquoi je peux pas descendre? Il faut que je reprenne ça, c'est ça. Faut que je me mette là et que là, je passe. Non? Comment je fais? Ah oui, comme ça déjà. Voilà. Je me souviens. Donc c'est pas le premier, c'est ici. Bah voilà. Nickel cet escalier là. C'était nickel ça. Ça c'est un tout petit peu dégueu par contre.
fait un peu peur cet escalier quand même. Je peux pas dire, mais. Alors, on va reprendre. Là, on va mettre des rambardes par contre. Ouais. Ah, support d'allée, c'est les trucs dessous. Passerelle avec rambarde. Non. Ah, je peux pas me rattacher là. Allée avec rambarde. Voilà. Parfait. Ok. Et là maintenant. Fais-moi mon bel escalier là comme tu m'as fait tout à l'heure, c'était top. Voilà, ça c'est nickel. Oh, super stylé, voilà. Très bien. Là je suis content. Là je suis content, j'ai un bel escalier qui monte là-haut, parfait. Ok, donc maintenant on va essayer de mettre un peu des décos. On va récupérer genre ça là. J'en ai pas un de gros masque comme ça là ici. Si. Hop, le gros masque là. Hop, histoire de décorer un petit poil quand même. Ah non, il se tourne pas dans le bon sens. Hop, je vais le mettre au ras. Paf. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme décoration? Thème Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des petits pots comme ça. Ça donne tout de suite du style. Hop, voilà. Tac, il y avait des espèces de petites bannières, je crois aussi. Un truc comme ça là. Aligner sur la position, non. Aligner sur la surface, c'est ça. Voilà. Voilà, les trucs comme ça là. Hop, tout de suite ça donne un peu de style. Hop. Voilà. Les trucs comme ça là, tchouk. Hop. Voilà. Tout de suite. Hop. Ça. Ça peut être sympa aussi. Ça pourrait être sympa. Alors. Là, faudrait qu'on décore un peu plus ici. J'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Ah, peut-être pas. Ouais, bof. Hop, je sais pas ce que c'est, mais ça fait un truc sympa. Avec des petites plantes comme ça. Voilà. Ça habille tout de suite. Ok, donc là on a deux salles comme ça maintenant. Deux salles de repos. Ah oui, on a ce symbole là qu'on peut mettre. Mettre ici aussi. Paf, voilà. Ok, donc maintenant on va dupliquer ce groupe là. Hop, on va le dupliquer, on va le mettre par ici. Et on va le. Alors on va le. Déjà on va l'adapter. On va l'adapter. Alors.
On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ça. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça non plus. Donc, du coup, ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Non, on peut laisser cette petite espèce de petite pergola là. Ça pourrait être sympa. On peut déplacer tout notre groupe. Faut que je me mette comme ça. Hop. Ça pourrait faire une espèce de petite. Une petite salle de repas pour les employés, quelque chose comme ça, vous voyez. Alors. Par contre, si je me mets comme ça, il faut savoir que je vais avoir une espèce d'enclos par ici après. Donc l'enclos sera derrière. C'est pas trop gênant. Ah oui, oula. Ouais, c'est bon. Il faut que je relie aussi ici mon enclos qui est là. Ça, c'est parfait. Ça c'est parfait. Ok, alors ici, on va reprendre ça. On va l'éditer. On va juste enlever ces trucs-là. Puisque là, on n'a pas besoin de cabinet de vétérinaire. Mais on va avoir besoin de salle du personnel. Donc ça c'est pareil, on n'en a plus besoin. Ça non plus. C'était quoi? Ah oui, c'était ça, ok. Donc là, on a notre truc qui est vide. Donc on va pouvoir prendre ça. Donc, en mettre un là, deux là, et le troisième, on va le mettre à l'intérieur, dans ce sens-là. Et comme ça, on aura nos quatre salles du personnel qu'on avait avant. Alors ça, on supprime. Là, il va falloir adapter, modifier un peu tout ça, vous voyez. Alors, comment on peut faire ça? On va récupérer ça. Hop. Là, là, le... Non, pas ça, du coup. Ça, voilà. Peut-être pas ça. On va juste récupérer ça. Qu'on va mettre. Alors pour le moment, on va le mettre là. Non, on va récupérer ça. On va le mettre ici. Ok. Donc ces trucs-là, on va les mettre là. Et là, on va essayer de déplacer ce pot de fleurs. Ça, on va le dupliquer. Ah. Zut. Ctrl D. X. Ah mince. Attendez, hop, on va faire ça. On va faire X. On va faire ça. Ah non, je suis pas droit. Ok, donc c'est pas grave, on va faire ça. X. Bah voilà. Ok. Ok, alors ensuite on va prendre les plantes qui sont là. On va essayer de prendre ça avec. Voilà. Non, je sais pas. Ne pas prendre contrôle. Ok, on a pris ces fleurs là. On a pris celle-ci. Tac, tac, tac. Tac. Ah, il y a des trucs pour faire la terre. Je n'arrive pas à attraper évidemment. Ok, donc ça on va faire X aussi. Tout déplacer par ici. Ouais, il y avait de la terre dessous. C'est pas grave. On décale tout par là. Là, le bout de terre qui traîne. Non, je me chopais le bout de terre, moi, ça. Ça. Voilà. Ça. Hop. On va le décaler là-bas au bout.
Ouf, voilà. On reprend cette espèce de pierre. Pareil, qu'on va dupliquer. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Comme ça. Ça, on le décale un peu par ici. Voilà. Celle-ci, on la décale un peu plus par là, encore. En espérant que ça soit pas trop long, non, c'est bon. Choc. Hop, on prend celui-là. Boum. On le fait tourner. Hop. Mince. W. Voilà. X. Et voilà. Et là, on va décaler ça. Donc ça, hop. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, on n'a plus besoin. On peut le supprimer. On prend celui-là et on le décale par ici. Voilà. Ok, donc là on a notre petite entrée de ce côté-ci. Là on a les deux entrées là. On a une espèce de petite pergola là qu'on va mettre sympathique, vous allez voir. Tac. Tac. Ok, donc là on ferme notre groupe maintenant. On peut le déplacer. Ah, j'ai pas tout à fait fini ce que je voulais faire. Un peu comme ça là. Voilà, comme ça les employés passeront sous les arbres là, ça va être stylé. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre des allées ici. Déjà, première chose. Faut que je remette des bordures. Avec des bordures. Voilà. Mais pas de rambarde. Voilà, la première elle est ici. Hop. Ah, si, c'était bien. Oh, c'était bien ce que j'avais fait. Voilà. Comme ça. Ok. Non. Je peux pas relier là. Oh, sérieusement. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Bah là, il n'y aura rien, tant pis. Je vais peut-être l'enlever du coup cette pergola. Oh, ça peut toujours servir. On verra plus tard. Voilà, c'est comme ça pour le moment. Voilà, on a un joli petit village. Ici, en surplomb. Ok, sympa. Sympa, sympa. Ah oui, il fallait que je change ça aussi. Là, il faut que je change ces trucs-là. Ça. Hop, wow, on peut l'enlever hein, carrément. On n'est pas obligé d'en mettre du tout. Voilà. Bon. Ben voilà. 45 minutes pour faire un petit village. Un petit village sympathique. Pour décorer mon truc là. Hop. Et donc là, on peut un peu s'améliorer ça. Juste. Ça, c'est de quelle couleur les pierres? Rocher tropical. Bon, on va pour des rochers tropicaux alors. Même si j'avais commencé à faire des rochers africains, moi. Enfin, de la savane plutôt. Oh, il y a des arches. Waouh. C'est tous les trucs aquatiques, ça. Alors, les rochers. Ouais, moi, je mettais plutôt des rochers de savane. Et là, ils ont mis des rochers. C'était quoi, j'ai dit? Tropical. Ça change quoi? Oh, des rochers blancs, enneigés.
Tac, tropical. Ok. Bah, allons-y. On va mettre des petits rochers là. Je veux juste mettre un rocher, moi, comme ça là. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Que ça fasse un peu plus joli. Ensuite, on va prendre ces deux plantes là. On va faire CTRL D. Check. Hop. Hop, il faut savoir composer. Check avec ce qu'on a. Hop. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout, tout ça. Si j'essaie de récupérer un peu des trucs comme ça, ça c'est pas mal. Pour mettre par ici, là, habillé par là. Hop. Clac. Ça, j'aime bien aussi. Hop. Faut que ce soit vivant. Ok, là il faudra mettre quelque chose. Peut-être juste des pierres un peu plus hautes. Ça pourrait être pas mal. Là, faudra décorer un peu aussi. Il faudra décorer un peu aussi. Voilà. Bon. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je pense que je continuerai un petit peu la déco de ça hors vidéo. Il va falloir que je continue aussi mes enclos là. J'avais commencé à faire des abris solides en pierre pour mes animaux ici. Donc là, il faudra que je le continue ici. Là, il faudra que j'en fasse un grand parce qu'ils sont de plus en plus mes animaux. Là, il va falloir que je fasse de la gestion un peu là-dedans pour limiter mon nombre d'animaux. Mes Springboks se sont surdéveloppés. Oula, j'avais pas vu les escargots aussi. Les escargots. J'ai eu masse de naissance, dis donc. Et du coup, on va garder que les derniers. Alors lui, il est pas terrible, on va le vendre. On va garder un mâle. On va garder celui-là de mâle. On va faire comme ça, tac, 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 tac. Toutes ces femelles, on va les virer. On va garder deux mâles et une femelle. Ça peut être pas mal. Hop, allez, envoyer au centre d'échange. Clac. Et tout ça, on vend. Hop, hop, hop. Allez, 3000. Confirmé. Hop, on va regarder vite fait. Ouais, je sais, j'avais pas vu, faut que je regarde le temps. On est passé beaucoup trop de temps. Nos girafes, elles se plaisent bien. Nos girafes, elles sont cool. Les gnous, pour les gnous, ils sont comme des lapins. Ah, par contre, les hippotrages, c'est bien. Ils m'ont fait des dorés là. Ça veut dire qu'ils ont des bonnes stats. Bon, je m'en fous en même temps. Vous me direz, je suis pas là pour. J'ai juste envie de faire un beau zoo. Et les springbok. En plus, le problème, c'est qu'ils sont tous consanguins. J'ai l'impression, je crois. Du coup, c'est pas cool. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils stressent. Alors, mes serpents, c'est pareil. On va enlever celui-là, celui-là et celui-là. On va garder juste ceux qui ont des belles médailles. Hop. Envoyer au centre d'échange. Clac. Échanger Varium. Paf. Et ça, on y vend. 2000. Parfait. Ça me fait un peu d'argent, bien que j'en ai pas besoin. On est d'accord. Ok. Bon. On a un tout petit zoo. Donc, ce qu'il faudra que je fasse, moi, c'est que je termine là mes habitats en rocher. Il faudra que je les fasse un peu moins plat, peut-être. Ici. Donc, là, terminer mes habitats en rocher. Ici, il faudra que je décore un peu là cette zone-là qui me paraît un peu vide là, ici, là,
Clac, je rajoute des décos. Là, mon resto, il est pas mal. Pareil, ajouter des décos ici. Un petit peu. Là, j'ai un panneau d'affichage, c'est bien. Donc là, attendez, hop. Là, on est pas mal ici. Là, cette zone-là, elle est bien. Cette zone-là, elle est très bien, je trouve. Je me suis bien débrouillé. Hein. Là, on a notre petit resto. Cool. Là, on a nos deux petits vivariums. Voilà, là, ça fait un peu vide ici. Ouais, là aussi, ça fait falloir mettre des plantes. Là, c'est pas mal. Là, je pourrais peut-être mettre des décos un peu contre la pierre. Là, peut-être rajouter un panneau d'information. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. Là, on a nos toilettes. On peut voir les animaux ici. C'est nickel. On a les panneaux là qui vont bien. Là, on fait rien pour le moment parce qu'on fera sûrement un chemin qui va aller ailleurs. Voilà. Hop. Ici, on a notre pont qui passe au-dessus. Je pense que ça me génère du stress de mes animaux aussi, mais je sais pas trop comment faire maintenant que j'ai fait comme ça. C'était une bonne idée, mais mes animaux sont stressés. Bon, allez, voilà. Les girafes, c'est pas mal. Les girafes aussi, je pense que faudrait que je rajoute quelques plantes, peut-être, pour que ça soit un peu mieux. Quelques petites plantes, sinon c'est bien débrouillé. Là, il faudra peut-être mettre des pierres tout le long, là. Parce que ça fait un peu dégueu. Ça fait un peu dégueu, là, comme ça, là. Mais sinon, c'est stylé. C'est stylé. Donc, on aura de la place après pour faire un autre habitat ici et un autre habitat derrière. Là, on va faire monter là-dedans les gens. On fera deux chemins, un qui passe dessous, un qui passe dessus. Et puis voilà. Ce qu'il faudra qu'on fasse aussi après, c'est qu'on définisse nos employés à certains, qu'on les affecte à certains enclos. Qu'on définisse par exemple un employé défini sur cet enclos-là. Voilà, il y en fera sûrement deux ou trois d'employés d'ailleurs. Ah là, il faudrait que je fasse un peu cette espèce de barrière rocailleuse là, tout le tour là. Ce serait sympa. Ce serait sympa, ça donne vachement du volume là, ça fait vraiment. Ça fait bien réaliste ça, je trouve. Je suis content de moi là. Ok, allez, grosse vidéo là. Donc sur ce, je vous laisse. La prochaine fois, on fera de la gestion. Donc peut-être qu'on créera un nouvel enclos. Qu'on essaiera de gérer ici tous les animaux qui sont dans celui-ci. Peut-être qu'on rajoutera une espèce aussi dans cet enclos là, vu qu'on peut en mettre plusieurs. Vu que oui, c'est un enclos où tous ces animaux-là peuvent vivre ensemble et ils ont d'autres espèces avec lesquelles ils peuvent avoir des affinités. Donc on verra ça la prochaine fois. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!